Salut les barbus, aujourd'hui on est le samedi 15 octobre 2016 et j'ai enfin un peu de temps pour vous parler de deux annonces vraiment cool qui vont être mises en place dans les semaines qui viennent. La première, c'est que j'ai trouvé une maison pour ma nouvelle grotte à Montgeron dans le 91 dans l'Essonne avec les amis de la recyclerie qui s'appelle la Fabrique à Neuf. Qu'est-ce que c'est le principe de cette recyclerie? Comme beaucoup, un petit peu partout. Le principe est relativement simple. Vous leur ramenez vos vieux objets que vous n'utilisez pas plutôt que de les emmener à la déchetterie ou à la poubelle. Ils les trient, ils les réparent, ils les revendent ou ils fabriquent d'autres choses avec. Et en même temps, ils aident des gens à se réinsérer par le travail en participant justement à ce recyclage et à ces réparations et à la vente de ces objets. Et un truc qui tombe bien, c'est qu'ils ont de la place et ils manquent d'outils. Donc on est en train de faire un partenariat. Je te donne de la place. Tu me prêtes tes outils, et ça c'est vraiment ultra top. Deuxième nouvelle, les amis de l'aimant nous ont envoyé, du matériel de psychopathe. Une perceuse à colonne, une ponceuse à bande statique, et surtout, une scie circulaire sur table avec un bras et tout, et ça, ça va être génial. Pour l'instant, tout n'est pas encore en place, puisque, comme vous allez peut-être le voir dans les vidéos, c'est un peu le bordel. Je suis donc allé à la Fabrique à Neuf, leur filer un coup de main un petit peu pour ranger, déballer un peu tous ces jolis cadeaux pour ce nouveau Noël des barbus en plein mois de juillet. Et on en a profité pour déballer la perceuse à colonne et pour faire un test. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces colis? On va les ouvrir. Tu veux tenir la caméra une seconde? C'est les amoches de l'aimant qui nous envoient des trucs. On va commencer par les petits. Hein. Ah, c'est bien ça, putain. C'est le Noël des barbus numéro 2. Et des trucs abrasifs pour la meuleuse. Oh, ça c'est mortel. C'est du combien ça? C'est du 80. Putain, c'est cool ça. Bon, on te donnera une note. Ça, c'est la perceuse à colonne de psychopathe. Ouh. Oh la vache. C'est pas joli ça. Oh là là. Bon moteur. Ça, c'est joli quoi. 100 watts, une phase, 2,7 ampères. Ça me rend toute chose. C'est le truc le plus chiant pour les gens qui bossent dans le bois. Le ponçage. Enfin, plateau et disque. Monsieur. La petite ponceuse que tu as là, ponceuse à bande, plus disque sur le côté. Il est débarbu en plus. Et alors ça, pour le coup... Il n'y a pas de partie en berne. Là, je pense que ça va être une vraie Noël. Casting, t'as pas de barbe. Tu fais pousser ta barbe. Mais je suis un berne. C'est des implants.
Fini la bricole, enfin. Ça c'est le, ça c'est les pieds en fait. C'est la base. On va pouvoir couper droit. Ouais. Même tu pourras faire des coupes à 11 degrés si t'as envie. Oh. Ah, c'est chevalé. On voit pas bien. C'est une scie circulaire sur table, avec son pied, et surtout, avec, avec les bras qui vont bien. C'est vrai que ça. Je te donnerai une note. Pour Noël. Le Noël des barbus. Ça. Ouais. Ah ouais d'accord. Il y a un bouton d'urgence. Ouais. Ah ouais, il manque un bras. C'est pas bon je crois. On est en train de chauffer. Déjà un ultra merci aux amis de l'aimant pour tout ce matériel. Et ce qui est génial, c'est que ça ne servira pas qu'à moi, ça servira aussi beaucoup aux amis de la fabrique à neuf, la recyclerie à Montgeron, qui vont pouvoir réparer et fabriquer des trucs pour vendre des objets géniaux, pour pouvoir permettre d'employer encore plus de gens. Et ça, c'est vraiment cool. Pour l'instant, le shop n'est pas complètement monté, donc j'ai pas eu le temps de déballer tous les éléments, j'ai déballé juste la perceuse à colonne, mais le reste va venir. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle, couplée au fait que un gentil barbu m'a refilé sa voiture, et donc maintenant j'ai une barbu mobile, ce qui va me permettre d'aller super régulièrement à Montgeron pour aller faire plein de trucs à la fabrique à neuf. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit update pour vous montrer les différents éléments qui sont en train de se mettre en place.
je suis pas sûr que le shop ouvre avant le début d'année prochaine, mais on y travaille d'arrache-pied pour faire des projets encore plus cool avec du matos génial. Donc merci la Fabrique à Neuf, merci l'aimant, et comme d'habitude, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.